Yorana, notre dernière émission vous a fait découvrir l'origine et l'histoire de la Holopuni, cette pirogue à voile à double balancier. Conçue par Nick Beck sur l'île de Kauai, la Holopuni est un type de pirogue apprécié par les passionnés de voile et de sensations fortes. Chaque année, des dizaines d'entre eux participent à des voyages qui les mènent d'un bout à l'autre de l'archipel hawaïen. Depuis 15 ans, la Holopuni a aussi trouvé sa place sur le Fénouin. Au début des années 2000, un ami Stéphane qui avait importé les premières Holopuni à Tahiti, à Bora Bora. Et quelques années plus tard, Nick était venu pour faire un Hawaii Kinui avec lui, il m'a invité. Et c'est là que j'ai repris contact avec la pirogue à voile, grâce à Stéphane et grâce à Nick. Et qu'on a fait plusieurs Hawaii Kinui, on a suivi le Hawaii Kinui à la rame, je parle, le V6. Quelques années plus tard, Nick a voulu envoyer une Holopuni personnelle sur Tahiti, chose qu'il a faite avec Manu Ura, qui cette année a célébré ses 25 ans, une pirogue qui a 25 ans. Donc ça, c'était les années 2000, 2008, quelque part, qu'il a envoyé à Tahiti, avec laquelle j'ai navigué quelques années, avec laquelle on a inauguré ce qu'on appelle nous maintenant le Hawaii Kinui Voyage, c'était Tahiti jusqu'à Bora Bora, en passant par toutes nos îles. Cette traversée avec Manu Ura, on a inauguré en 2010. Et qui voilà, c'était donc ce lien qui maintenant sera la 10e édition de une pirogue la première année. Cette année, je pense qu'on sera une bonne douzaine, peut-être plus. La Holopuni s'est développée rapidement à Tahiti. Les conditions maritimes du Fénoua sont plus favorables qu'à Hawaï. Habituellement, ils ont des alizés plus réguliers et je dirais un peu plus forts que Tahiti. D'une part parce que les îles plus hautes, donc il y a des effets venturi entre les îles, avec les alizés, une mer peut-être un peu plus formée par ce vent justement. Donc les conditions sont légèrement, et pas de lagons, beaucoup moins de lagons, très peu de lagons comparé à Tahiti. Donc leur championnat de pirogue à voile V6 commence habituellement à Big Island et traverse toutes les îles. Big Island, Maui, Molokai, Oahu, Kauai. Justement, dans quelques jours, ils font le Naholokai de Oahu à Kauai. In Tahiti, the canoes, the racing canoes, were not going outside the reef. They were all in the lagoon. And I was really kind of saddened by that. Because this is a seafaring nation, country, and we would go down and put up little sails on little canoes and, you know, just go out and have fun and then start going out in the ocean. And then I built one that we took down to start sailing the channels. And at that time, I don't think canoes were allowed to go across channels because there had been incidences. And now that the sailing culture is coming back, and so that the channels are open, but they're different than they are in Hawaii. When you are here, you get outside the reef, which we don't have those beautiful big lagoons, you're in the ocean. And it can be very serious, very rough. I know it gets that way in Tahiti when you have the Murau. Une des raisons de son succès, son montage est simple et il est facile de la mettre à l'eau. Ce mât-là, c'est quelques générations en arrière, il est un peu plus lourd. Les nouveaux mâts sont quelques kilos plus légers. Une personne peut le gréer tout seul, malgré le levier qu'il y a pour le poser dedans. Mais celui-là, il vaut mieux être à deux personnes, pas prendre de risque pour le gréer. On va sortir la rame parce que la marée basse.
que j'aime avec la Holopuni. On peut la sortir tout seul. J'ai fait déjà plusieurs raids entre Bora Bora et Raiatea tout seul. Tu peux naviguer tout seul sur cette pirogue, comme tu peux naviguer à 3 quand on fait des courses, ou même 4, 5, 6 en famille avec les trampolines. Donc elle est vraiment polyvalente, très maniable. Et voilà, et la simplicité fait que moins de choses à casser, puisqu'elle est simple. Ça fait 30 ans maintenant que Nick évolue son design et elle est vraiment aboutie. Pour moi, c'est une pirogue qui est vraiment aboutie. Il y a encore des choses qu'on peut... Même lui, il bricole encore. C'est des petites choses qu'il voit qu'on peut toujours changer. Il y a toujours. Mais c'est un design qui est vraiment abouti et qui aujourd'hui, je pense, fait que c'est un plaisir de la sortir, quoi. Et les gens qui voient des images, je pense pas qu'ils disent « Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air super ce qu'ils font. » Mais une fois qu'on monte vraiment dessus et qu'on va dans le surf et du vent, là, on devient accro rapidement. Depuis, les pirogues de ce type se sont multipliées à Hawaï, mais aussi à Tahiti, où l'association Va'ata Ie Tautoru a vu le jour en 2015. Bon, au départ, c'était pour regrouper tous les Va'ata Ie Tautoru. À Tahiti, la Holopuni est majoritaire, mais il y en a d'autres aussi qui ont été faits de Va'ata Ie Tautoru, c'est-à-dire pirogues à double balancier, qui ont été faites. Et au départ, on voulait regrouper. Et la première année, on faisait des courses avec toutes les pirogues, mais je me suis très vite aperçu qu'il y en a qui mettaient des phoques ou que la voile était plus grande, donc c'était difficile de faire une jauge et de faire un classement qui était juste avec des pirogues qui n'étaient pas pareilles. L'association est donc partie sur la Holopuni comme étant la jauge, la classe pour le championnat parce que c'était la seule qui était en monotypie, quasiment monotypie. Il y a quelques différents modèles, mais en gros, ils sont pareils. Et par exemple, aujourd'hui, on a toute la même taille de voile. L'étape suivante, ça a été surtout 2015 qu'on a créé l'association. On a fait un règlement, une jauge, on a organisé un championnat. Plusieurs personnes, on a aussi commencé à construire des Holopuni à Tahiti, chose qui n'avait pas été fait avant. Ce qui a ouvert un peu le marché, puisque un peu moins cher de les faire sur place que de les importer avec les droits de douane, le transport, tout ça. Je remercie justement les premiers qui ont fait confiance à cela, qui ont acheté des Holopuni, qui ont grandi la flotte sur Tahiti et Moorea, qui ont créé donc ce championnat avec nous, qui sont toujours là aujourd'hui, qui font tous les voyages, qui font que le championnat existe et qui invitent d'autres personnes à venir le faire. Pendant plusieurs années, les seules Holopuni qui étaient produites, c'était à Tahiti. On avait le moule qu'on a fait à Tahiti. Malheureusement, les moules que Nick avait ici à Hawaï avaient été endommagés. Donc pendant plusieurs années, les seules Holopuni produites étaient à Tahiti. On a fait une pirogue à Tahiti qu'on a envoyée donc, en Nouvelle-Zélande, sur laquelle ils ont créé un nouveau moule en Nouvelle-Zélande. It's a growth that I think Kavika has had an incredible amount to do with building that the fleet in Tahiti and helping us to expand the interest, and what a perfect place to sail. It's everybody's dream to sail in Tahiti. À Tahiti, depuis qu'on a créé notre association Va'ata Ie Tautoru en 2015, j'ai comptabilisé entre notre championnat et toutes les courses du Hawaii Kinui Voyage. Il y a 5 courses, 5 étapes. On a organisé plus d'une cinquantaine de courses maintenant, ce qui est énorme, ce qui est même plus que ce qu'ils ont pu faire ici à Hawaï, simplement parce qu'à Tahiti c'est un peu plus facile, à Tahiti Moorea où la plupart de notre flotte, pour organiser des courses c'est plus facile. Ici c'est un peu plus difficile, Hanalei, Kauai étant un peu plus loin des autres îles, c'est plus compliqué. Because we have Holopunis now, around the world, on the east coast of the United States, the west coast, the Pacific Islands. We've linked Polynesia with fleets growing in New Zealand, Tahiti, Hawaii, Australia, Indian Ocean, Europe. So it was an idea, I think, of Bertho that Kavika was very important in doing, is
This is a world organization, and we started a Holopuni International Sailing Canoe Association, and with that, promoting it worldwide, Kavika's put together the first Holopuni International World Championship coming up in November, and really excited about that. Et il était logique, il était que Tahiti, puisque nous avons organisé tellement de courses depuis plusieurs années, on s'est organisé, on avait un parcours qui s'y prêtait bien, puisque la Holopuni c'est une pirogue de voyage. On ne va pas faire un championnat du monde de Holopuni dans une baie en faisant des triangles, un truc classique européen, américain, comme l'America's Cup, tout ça. Non, l'idée c'est une pirogue à voile, c'était un peu de reproduire ce que faisaient nos ancêtres, nos Tupuna, d'aller d'île en île. Et donc le Hawaii Canoe Voyage, on connaît, on s'est organisé maintenant, on a fait déjà 9 fois, donc on est rodé, s'y prêtait parfaitement pour faire un championnat du monde de Holopuni. Parce que dans le règlement, justement, on stipule qu'un championnat du monde de Holopuni se doit d'aller de point en point et pas forcément de faire des cercles dans une baie ou un triangle. Donc, étant donné qu'on avait organisé plein de courses, on était prêt à le faire. Donc on dit oui, go. Cette 10e édition en plus, la 10e édition de notre Hawaii Canoe Voyage sera le premier championnat du monde de Holopuni. Ça se prêtait tout à fait. Dans l'idée que le deuxième championnat du monde se ferait à Hawaï, en reproduisant ce que nous avons fait en 2017, de Big Island jusqu'à Hanalei. Une course inter-île, un voyage inter-île, quoi. Et les deux, je précise que les deux, et le championnat du monde, et les deux championnats du monde et le Hawaii Canoe Voyage, c'est un voyage, d'où le nom voyage, parce qu'on a une catégorie voyage, et la catégorie racing, course, et une catégorie voyage, pour ceux qui veulent participer sans avoir la pression de faire la course, qui veulent changer d'équipage. Ceux qui font la course, c'est 3 personnes du début jusqu'à la fin, toutes les étapes. Si ça c'est un peu trop difficile, peut-être pour des personnes plus âgées ou qui moins aguerries, il y a la possibilité de le faire plus cool. Et d'avoir peut-être aussi une Holopuni avec une voile un peu plus grande, par exemple, ou un spinnaker, donc avec moins de pression de pouvoir suivre la flotte, celle qui fait vraiment monotypique, qui fait la course. Donc le voyage, c'est la partie voyage aussi de ce championnat. C'est ouvert aussi à cela. Du 23 au 30 novembre, la 10e édition du Hawaii Canoe Voyage sera aussi le premier championnat du monde de Holopuni. Un parcours qui mènera une douzaine de pirogues entre Tahiti et Bora Bora, en passant par Moorea, Huahine, Raiatea et Taha'a.